Il a réussi à s'imposer dans le milieu des superstars d'Hollywood et est devenu un véritable sex symbol masculin. L'acteur Brad Pitt aurait toutefois adopté un comportement douteux sur le plan de l'hygiène corporelle, par le passé. C'est son ancien colocataire Jason Priestley, interprète inoubliable de Brandon dans la série à succès Beverly Hills, 90210, qui a fait état de cette anecdote, sur le plateau de l'émission Live, With Kelly and Mark, disponible sur YouTube. L'ancienne interprète du frère de Brenda Walsh, qui a vécu en colocation avec la star d'Inglorious Bastards à Los Angeles, dont les années 1980, ainsi que leur appel 20 minutes, a confié à son hôtesse Kelly Ripa, « Nous avions l'habitude de jouer à ce jeu pour voir qui pouvait tenir le plus longtemps sans prendre de douche. Moins enclin à tester ce genre de défi, Jason Priestley a ajouté, « Maintenant que j'y pense, je me dis, mec, c'est dégoûtant. Qu'est-ce que vous aviez dans le crâne ? » Supérieur à photo Brad Pitt à 60 ans, découvrez son évolution physique, un défi adopté au cours de sa jeunesse. Jason Priestley, que l'on a pu retrouver dans le téléfilm Mort sur la piste, diffusé sur France 2, a précisé que lui et Brad Pitt étaient fauchés lorsqu'ils faisaient leur début en tant qu'acteurs. Dans son autobiographie parue en 2014, Jason Priestley avait déjà abordé cette période de sa vie. Il avait d'ailleurs expliqué qu'à l'époque, lui et Brad Pitt consommaient principalement des nouilles ramenées des bières bas de gamme, pour toute nourriture, à rapporter 20 minutes. Sur le plateau de Live, With Kelly and Mark, l'interprète de Brandon Walsh a tenu à rassurer les fans de l'ex-mari d'Angelina Jolie en mentionnant le fait que celui-ci avait arrêté ce défi, bien qu'il réussisse à rester longtemps sans se doucher, par le passé. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Borde Jacovide. Just me.